Laurent Fabius, bonjour. Bonjour. Vous faites la promotion de la diplomatie économique. Est-ce un bon vecteur d'investissement à l'étranger ? Oui, sûrement. L'idée, elle est toute simple, c'est qu'un pays ne peut avoir de rayonnement politique que s'il a une puissance économique, enfin en tout cas un pays comme la France. Donc il faut que notre diplomatie soit au service de l'économie. Alors ça veut dire, pour répondre à votre question, à la fois aider à ce qu'il y ait des investissements français à l'étranger, en retour aider à ce qu'il y ait des investissements étrangers en France, aider au développement et à l'amélioration de la balance commerciale. Voilà, et il faut bien sûr que l'administration aide les entreprises. Alors, vous misez également sur l'économie du tourisme. Quels sont les investissements pour ce secteur ? Oui, le tourisme, c'est un secteur extraordinaire pour la France. Déjà, ça marche bien puisque nous sommes le premier pays par nombre de visiteurs. Nous avons à peu près 85 millions d'étrangers qui viennent en France. Mais ça pourrait être beaucoup plus. Et il faut d'autant plus s'en occuper qu'aujourd'hui, il y a 1 milliard de touristes dans le monde. Dans 15 ans, il y en aura 2 milliards. Donc il faut que la France récupère le maximum de ses touristes étrangers, qu'ils soient européens ou non européens. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut investir. Alors investir les hôtels, investir dans la formation, investir dans le net, parce que maintenant, ça passe de plus en plus par le numérique. Et donc, je m'occupe de tout ça. Alors de par vos charges ministérielles, vous êtes un observateur éclairé de l'économie française dans le monde. Est-ce que vous sentez de la part de nos partenaires étrangers une volonté d'investir en France ? La France est l'un des pays où le stock d'investissements étrangers est le plus fort. Maintenant, quand on regarde non pas le stock, mais le flux, nous ne nous situons pas à la première place. Nous sommes devancés notamment par les Britanniques et parfois par les Allemands. Donc ça veut dire qu'il faut faire un gros effort parce que qui dit investissement étranger en France dit possibilité de création d'emplois. L'emploi est notre problème numéro un. Donc il faut à la fois qu'on soit présent à l'étranger et que les étrangers soient présents chez nous. Laurent Fabius, merci. Merci à vous et puis bonne chance.